heaven is open. Nous avons vu des personnes pour qui les cieux étaient ouverts. We have seen example of people over whom heaven has been opened. Nous avons commencé dans Genèse chapitre 7. We started reading in Genesis chapter 7. Je crois le verset 7 et le verset 11. Verse 11. Genèse 7, nous avions commencé là-bas 11. That was the initial. C'était au temps de Noé. That was back in the days of Noah. Noé. Et Dieu devait envoyer un jugement. And God was to impose a judgment. Et pour la première fois, pour sauver les hommes, le ciel s'est ouvert. And for the very first time to save mankind, heaven opened up. Ce ciel ouvert là était le salut. And that was salvation de la race animale. Of the animal kingdom. Et la race humaine. And the human represented par la famille de Noé. By the Noahs. Une famille composée de 8 personnes. It was a family of 8 members. Donc Dieu a ouvert les cieux. So God opened up the windows of heaven. La pluie est tombée pour la première fois des cieux. And the rain fell for the very comme first jamais time, auparavant. Like never before. Et cette pluie, Dieu l'a utilisée pour sauver. And God used that rain to save un groupe d'animaux. And a category of animals. Et puis un groupe de personnes. And also a group of people. Qui a dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons continué, nous avons vu que Dieu avait ouvert les cieux aussi. We also saw that God opened the heavens. Pour Ézéchiel. For Ezekiel. Dans Ézéchiel chapitre 1 verset 1. In Ezekiel chapter 1 verse 1. Ils étaient en captivité. They were in captivity. Mais Dieu lui a fait la grâce. And God favored him de voir to see qu'il avait ouvert les cieux. That heaven was open. Et c'était pour leur salut. And for their being saved. Et le captif. And the Ezekiel était de Ezekiel sortie de cette captivité comme un capitaine. And he came out as a captain. Alléluia. Amen. Et nous avons vu beaucoup d'autres. And we saw many other things. Je n'avais même pas parlé de Joseph. I didn't speak about mais Joseph. Joseph avait eu cette vision là. Joseph got a vision. Les cieux étaient ouverts. Heaven were open. Il a vu la lune et les étoiles autrement. And he saw another dimension of le the soleil moon autrement. And the sun and stars. Et ça représentait qui pour lui? What does that mean to him? Et ce que Dieu voulait faire dans sa vie. What God wanted to perform in his life. Quand nous continuons, nous voyons que as we read on, même we can notre see, Seigneur Jésus, even our Lord Jesus Christ avait besoin d'un ciel ouvert, had need of an open heaven pour bien fonctionner, to operate properly. Qui a dit amen? Amen. Donc avant que son ministère commence, so before the start of his ministry, le jour où il se faisait baptiser, on his baptism, water baptism day, le ciel s'est ouvert, heaven opened. Dieu a parlé. And God the Father spoke. L'esprit est descendu sur lui. The Spirit came down. Le ciel ouvert est très important. And so open nous heaven is important. L'apôtre Pierre, Apostle Peter, a expérimenté le ciel ouvert. Experienced open heaven also. Dans Actes chapitre 10. In Acts chapter 10. Il a expérimenté après avoir prié. After praying for a long while. Il eut faim. He got hungry. C'est pour dire que voici des personnes. These are people qui valorisaient plus la prière que la nourriture. Who used to prioritize a prayer over food. Peut-être qu'on va le lire tout à l'heure. Maybe we read that scripture in a ils short while. Ils pouvaient ne pas manger. L'heure de la nourriture arrive. Non, je n'ai pas fini de parler eat à Dieu. Came, he said, no, je n'ai pas fini ma communion I'm avec le Seigneur. With my fellowship c'est plus important. It is more important. Alléluia. C'est beaucoup plus important. It's much more important. Alléluia. Amen. Que la nourriture que je vais mettre dans mon ventre. That the food I will put in my belly. Que les 2 heures de maquillage que j'ai à faire. Or the 2 hours of makeup I will do. Les 30 minutes de peigne. Or 30 minutes of combing. 0 minutes de prière. And 0 minutes of prayer. On veut voir la gloire de Dieu. And you want to see His glory. Maman, j'ai vu ton visage. Ne me regardez pas bizarrement. So don't look at me strangely. I've looked at your face. C'est la vérité. It's the truth. On n'oublie pas de se maquiller. We never forget to. Faut qu'on sorte jolie, pimpante. We have to come out beautiful. On nice. Oublie de parler avec celui qui va but diriger la journée. To talk about conduit the one les événements de la journée. Lead your day. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. The Bible says commit mets your ways ta confiance. To your, the Lord il agira. And he shall tu sors le matin. You come out in the morning. Aucune recommandation à Dieu. No recommendation tu sors seulement. Dieu me connaît, je le connais. I come out, God knows me. He knows. Nous aussi know on connaît ton visage. Pourquoi tu arranges avant de sortir? We know your face. Why do you make up every day? Tu as refait les cils que Dieu you a. You are going to remove the eyelash God has placed.
Pour Patrick, ça va. Même les hommes sont rentrés dedans aussi. Ils taillent, ils arrangent. So even men, they are also done that. They remove their eyelids. Pour toi, ça manque que tu passes le temps à prier. C'est bon. Hallelujah. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us out. Amen. Amen. Comment tu peux durer dans la douche plus que dans la prière? How can you last in your bathroom more than in the prayer room? Tu dures dans la douche, tu sors, tu n'es pas clair. When you come out, you are not Fanta complexion. Alors que si tu dures dans la prière, but if you last in prayer, quand tu sors, when you come out, les démons qui devaient s'approcher, the devil who were to come, s'éloignent. They will stand apart. Il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas. You don't see. Quand tu es un homme de prière, il y a des choses aussi qui se passent que tu vois. When you are a prayerful person, you can see things. Lisons ça, ça nous inspire un peu. And let's read that scripture. Comment il s'appelle? C'est Acte, non? And Acts chapter 10. Mm-hmm. About Apostle Peter. Oui, l'apôtre Pierre. C'est le verset que je cherche. I try to identify the verse. La vision de Pierre. Lis verset 9, voir. Je crois que ça doit être 10, 12. Mais commence au verset 9, on va voir. On the morrow, as they went on the journey. Ok, c'est ça. And drew nigh unto the city. Peter went up on the housetop to pray about the sixth hour. Amen. And, ok. Vas-y. And he became very angry and would have eaten. Yeah. But while they made ready, he fell into a trance and saw heaven open. Amen. And a certain vessel descending upon him. Amen. And it had been a great sheet knit at four corners, at the four corners, and let down to the earth. Amen. Ça, c'est bon ici. OK. OK. Aujourd'hui, on a commencé en anglais, on va en français. On y va. Le lendemain. Comme ils étaient en route. Vas-y. Et qu'ils approchaient de la ville. Oui. Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il s'est retiré des autres apôtres pour aller chercher la face de Dieu. Oui. Il eut faim et il voulut manger. Mm-hmm. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. La faim était trop. Il vit le ciel ouvert. Si tu n'as pas faim, tu ne peux pas voir le ciel ouvert. Ventre rassasié, tu ne peux pas voir des choses bizarres. So when you are satisfied, ventre you see rempli, strange ne vois pas le ciel ouvert. If your belly is full, you don't see. C'est le ventre affamé. But an hungry. Qui permet aux yeux de s'ouvrir. A stomach and enable il your eyes faim, to open. Il est tombé. And he was angry and la Bible he n'a pas caché que c'est parce qu'il lui faim. And the Bible did not mais dans la faim là. But while he was il angry, était dans la prière. He was prayerful. Parce qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Because he had an appointment with Alléluia, God. Alléluia, parce que c'était le temps. It was time. Rien d'autre ne peut prendre le dessus. Nothing can prevail. Mais regardez le bénéfice qu'il a eu. But look at the benefits. C'était plus que la nourriture. It was more than food. Les cieux étaient ouverts heaven avant qu'il mange, opened before avant he que ate, la nourriture before vienne. Food was ready. Et Dieu a utilisé ce temps-là pour changer. And God used that time to les change. Choses dans sa vie. Amen. And merci. Thank you. Alléluia. Il eut faim. He became angry. Mais il pria d'abord. But he prayed quand first. Tu finis de manger, que tu es trop rassasié, when you finish eating and you que are tu too vas prier, satisfied, when you pray, you begin to yawn. Tu vas bailler. You are going to yawn. Et tu vas avoir sommeil. And you'll be sleepy. Que Dieu nous donne cette force de Pierre qui a dit amen. May God give us that Peter strength. Nous avons vu que il y a quelqu'un comme there was someone Etienne, also like Stephen qui a expérimenté les cieux ouverts. Who experienced open heaven. Alléluia. Amen. Il a vu and he saw en pleine persécution. Many persecutions. Alléluia. Amen. On peut voir le ciel ouvert. You may see open heaven dans toutes les conditions. In every condition. Dans toutes les situations. In every situation. Alléluia. Amen. C'est pas parce que c'est difficile que tu peux pas voir le ciel ouvert. You're going through hard time does not mean you cannot see open heaven. Ce n'est pas parce que tout va bien aussi que tu ne peux pas voir le ciel ouvert. When everything is fine doesn't mean that you will see open heaven. Pourvu seulement que le Seigneur te fasse grâce. Provided that the Lord show dans you favor. Dans n'importe quelle position. In any position. Et situation. Any situation. Toi et moi, you and nous I, pouvons voir les cieux ouverts. We can see open heaven. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons voir les cieux ouverts. Donc, on est en train de le lapider à cause de sa foi. So there was stoning Dieu l'utilisait trop. God used him too much. Il y avait trop de miracles. He went trop de guérisons. Many healing les âmes étaient miracles. Sauvées. Save, il y avait la preuve.
There was evidence dans son ministère, dans sa vie, in his ministry, in his que life, Jésus était le Fils de Dieu, that Jesus le was Messie the que les God. Juifs attendaient. The Messiah awaited donc, les by scribes the Jews. Et les pharisiens n'étaient pas contents. So the Pharisees and the scribes were unhappy. Ça mettait en mal leur religion and it was et leur croyance. Affecting their religion and belief, they had to stop et pendant him. Qu'on le lapidait, while they were stoning him, Dieu donnait son approbation. God was giving Etienne, his approval. Tu as combattu le bon combat. You fought the tu good as fait fight. Ce qu'il faut. You did the right thing. Et ce qui t'arrive, and what is happening to nous you, te soutenons. We support you. Vois déjà la gloire dans laquelle and tu t'en vas. See the glory in et which il a vu coming. Le Fils de and Dieu. And he saw the Son debout. Of God standing. Pendant que tous ces millénaires, tout le monde le voyait assis. While at this mais il l'a vu dans une autre dimension. Saw him seated. Ça l'a changé. It changed au lieu de maudire ses persécuteurs. Instead of cursing au lieu de le his d'année. Dans cette gloire et bénédiction, in this glory au lieu blessing, de demander l'intervention angélique pour les terminer, instead of asking divine, angelic il était heureux to de participer à la souffrance them. De Christ. He was happy to suffer est-ce qu'on with trouve Christ? Ces chrétiens-là encore aujourd'hui? Do we have such Christians today? Il dit, Seigneur, pardonne-leur. He said, Lord, forgive them. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. For they know not what s'ils they savaient qui ils lapidaient, if they knew who ils n'allaient they pas le faire. They would not have mais moi, done je me réjouis but I am happy dans cette situation. In this condition. Ça nous montre que it shows les moments peuvent être difficiles. Times can be difficult. Dieu ouvre le ciel. God is opening heaven. Pas forcément pour changer la situation. Not to change the situation. Mais pour te rassurer. But to reassure you que tu combats pour la bonne cause. That you are fighting pour le royaume de Dieu. The right et que tu glorifies le nom du God, Seigneur. And you glorify parce him. Que la souffrance fait partie de notre marche avec le Seigneur. Mais ici là, on ne dit pas Amen. Parce que la souffrance fait partie de notre marche avec le Seigneur. Fait partie du royaume des cieux. Avant d'atteindre le ciel. Is part of heaven. Amen. Before ce qui a changé heaven. La vie de l'apôtre Paul, c'est le ciel ouvert. What changed his life was open. Et nous avons heaven. Vu aussi que and we saw that le ciel ouvert, open heaven, c'était une porte was a door, avec a différents gate. Versets. In different verses, le ciel ouvert, open heaven, c'était aussi les écluses as windows, que Dieu pouvait faire dans les cieux. That God will make in donc heaven. Des fenêtres. So windows que Dieu pouvait ouvrir dans that les cieux. God could open up in the heavens. Donc ce dont nous avons besoin, what we have need of, c'est pas que tous les cieux, is that all heaven, du point A, from point A, à l'extrémité de la terre s'ouvre pour nous, to point B, avant be que open, nous soyons, before oui. we are. Si les écluses, the windows, ou bien une écluse, or one window, peut s'ouvrir, may open. Dieu va accomplir ce qu'il a prévu accomplir dans notre vie. And God will do what he planned. Nous allons recevoir ce que Dieu voudrait libérer we dans shall notre vie. Receive il faut que seulement God. Un compartiment s'ouvre. And some compartment may, must open. Et avec l'apôtre Paul, with Apostle nous Peter, avons vu qu'il a vu aussi Paul, rather, les cieux ouverts. We experienced open heaven. Mais Paul raconte ça avec humilité. But Paul told that story with humbleness. Yeah. Il dit, he said, j'ai connu un homme. I knew a man qui a été ravi au ciel, who has been raptured into the heavens, à qui Dieu a fait la grâce de voir le ciel ouvert. And God graced him to il dit, see open heaven. Je ne peux dire si c'était dans son corps. I cannot say whether il est parti it comme ça. In his body he went, ou bien hors de son corps, sortant de son corps, outside de son his corps. Body. Mais, but il est parti au ciel. He went up to heaven. Il a traversé un troisième ciel. He went through the third heaven. Il a atteint un deuxième. He reached the second. Il a traversé le deuxième. He went through the second. Il a atteint un troisième. Into the third. Et il nous montre que and he showed il y a en, au moins c'est ce que Dieu lui a permis de at voir. At least this is God enabled him to see. Il y a au moins trois cieux. You have at least three heavens. Alléluia. Amen. C'est des dimensions. These are dimensions. Donc Dieu peut ouvrir le ciel pour nous. So God can ça open peut être up la première heaven. Dimension. It can be the first dimension. La deuxième dimension. The second. La troisième dimension. And the third. Mais moi je suis là pour dire à quelqu'un. But I'm here to tell pourvu you. Seulement. Provided que le Père that the Father ouvre le ciel. Open que ce the soit heaven. La première dimension. First, que ce soit la deuxième dimension. The second que ce heaven, soit la troisième dimension. The third heaven, il déversera ce qui est dans le ciel sur ta vie. It et ta vie ne sera plus jamais la même. Over your body, mais Paul your raconte life. Cela avec humilité. But Paul say it il dit, with je ne veux pas me glorifier. I cannot parce que ce n'est myself. Pas donné à tout le monde. It's not given to everyone. Il y a combien de personnes dans la Bible, we have many people in the Bible qui ont franchi les étapes là-dessus comme ça went through that step pour arriver devant le Père. To reach to the donc Father. Il dit, je connais quelqu'un. He said, I know someone. Mais si c'est moi,
If it were je me, ne veux pas le dire I cannot parce que say je so. Ne veux pas me glorifier. I don't want to glorify. Que la gloire revienne au Seigneur May the glory parce que c'est une grâce. It's a grace. Et c'est à cause de cette expérience And bénie for the sake of this blessed experience que aussi Dieu a permis that God enabled que j'ai une chair dans le corps that, there be something in my parce que flesh. Je peux me considérer comme un Dieu people, people pour avoir accédé au ciel because I got access to heaven à ce niveau-là. At that level. Mais pour que je sois humble, but for me to be humble, Dieu a mis les chats dans mon God corps. God sent a devilish messenger. Tu es toujours un être humain. You are still a human being. Je t'ai seulement fait grâce. I just favor you. Je prie dans ce message. I pray in this que message. Que Dieu fasse et à toi. May et God à moi give to you cette grâce that grace qu'il a fait à l'apôtre Paul afin que nous soyons ravis en esprit, nous soyons en extase, que nous puissions visiter le ciel et que notre nature, nature change complètement. Qui a dit amen? Quand tu as une telle expérience, que tu sois, quand tu traverses le désert, l'ombre de la vallée de la mort, les difficultés, les persécutions, comme Étienne, ça ne te dit rien. Parce que ce que tu as vu te montre ce qui t'attend dans le ciel. Shows you your reward. Ça dépasse tout ce que tu peux vivre ou expérimenter. It prevails over your circumstances. Tu ne peux pas te plaindre de Dieu. You don't complain tu sais que le God. Seigneur peut tout faire. You know that he can do il it est capable all. De tout faire et il le he fera dans ta vie. To do it all et il fera quelque chose it. Dans ta vie. Alléluia. Nous devons expérimenter we have to experience le ciel ouvert. Open et ça va changer des choses dans notre vie. And it's going to change our je life. Prie que my prayer, cette année this year, ce soit le plus grand cadeau be the greatest que Dieu fasse à chacun de nous. God will give mais ton you. Amen n'a pas été retentissant. And your amen was que ce soit le plus grand cadeau. Let be the greatest, gift. Il y en a, le ciel s'est ouvert quand il dormait. Some, for some, heaven opened as they slept. Comme Jacob. Like Jacob. Ses yeux sont ouverts. And he saw open heaven. Et il a vu, il dit, ah! And he saw, ah! Donc où je suis ici, je me suis retiré comme ça. Am, Dieu est là. God is there. Il a appelé l'endroit Bethel. And he called it Bethel. Ça veut dire it la maison de Dieu. The house of le lieu God. Où Dieu est. Where donc God la présence is. De Dieu. So the presence et le of God. Ciel s'est ouvert. Heaven opened. Dieu est descendu. God came la down. Preuve, il a lutté avec lui. And he fought with him. Jusqu'à remporter la victoire en griffe. And he got again victory. Qui a dit amen? Amen. Je demande un ciel ouvert dans ta vie. I'm asking for open je demande un ciel ouvert dans ta vie. I'm asking for open ton travail va changer quand ça va arriver. And your tes affaires vont changer quand ça va arriver. Ton mariage va changer your quand ça va arriver. Change. Ta famille va changer quand ça va arriver. Même ta nation va changer quand ça va arriver. Alléluia. Que cela arrive par la grâce et par la miséricorde de Dieu. On a vu que c'était des portes. On a vu que c'était un accès au ciel. It was an heavenly access, windows, etc. And so on. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us all. Maintenant, nous allons voir. Now shall we see? Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, Dieu annonce des choses. God says a number of things. Il n'avait pas annoncé avant. Which he didn't say before. Quand le ciel s'est ouvert sur le Seigneur Jésus. When it opened over the Lord Jesus. La Bible dit quoi? Une voix se fit. And a voice was heard. Et la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. And this is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. In whom I'm fully pleased. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible nous montre que quand le ciel s'ouvre. When il y a beaucoup opens, de choses qui arrivent. Many things happen. Mais trois choses majeures. But three major things. Quand le ciel s'est ouvert. When heaven opens. Paul avant sa conversion. When Paul a expérimenté born again, un ciel ouvert. He experienced c'est ce qui l'a amené heaven, à la conversion. And that caused him to il y avait be born again. Une lumière forte, plus brillante que le soleil. There was a stronger light, sortie des cieux. That the sun. Qui l'a ébloui, il est tombé de son cheval. Dazzled him. Ça l'a arrêté là. From his horse. Le ciel était ouvert. Heaven opened. Et Dieu avait agi. And God moved. Quand le ciel s'ouvre, when heaven il y a aussi opened, le jugement de Dieu qui se manifeste. God's judgment is manifest. D'accord? On amen. A vu ça avec Noé. With Noah. Le ciel s'est ouvert. Heaven la pluie opened, est tombée. The rain c'était fell, la pluie du jugement. And it was a judgment rain. Comment il s'appelle? Saul de Tarse allait à Damas. Saul of Tarsus persécuter l'église du Seigneur. On his way to Damascus. Le Seigneur l'a arrêté en ouvrant les cieux. Persecuted the church. Avec cette lumière éblouissante. And the Lord stopped et une it in voix the se fit entendre. And the voice was heard. Saul de Tarse. Saul of Tarsus.
Saul of Tarsus. Pourquoi me persécutes-tu? Why thou persecuted me? Il dit, mais Seigneur, qui es-tu? And he said, Lord, who are you? Je ne peux pas persécuter mon Seigneur, ce n'est pas possible. I cannot persecute you. Il dit, ceux que tu persécutes sont mes enfants. Si tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Une voix se fit entendre. And the voice was heard. La preuve que ton ciel est fermé, the proof that your heaven is closed, tu n'entends jamais. And you never hear. Je ne dis pas que tu n'entends pas la voix de Dieu. I'm not saying mais that tu n'entends jamais la voix you de Dieu. Never même hear dans his une voice. Prédication la plus simple, even in a Dieu ne te parle preaching. Pas dedans. God il n'y a aucune leçon que tu tires dedans. No lesson learned. Alléluia. Amen. Le vrai réma, the true ce n'est pas réma. Ce que les gens racontent. It's not what people il say. A expliqué la parole d'une certaine that manière. He Ouh, the way réma. Ce n'est pas réma. No, le logos, logos, c'est la lettre, is the la parole écrite. Mais le rhéma, c'est la parole révélée. C'est pendant qu'elle est prêchée. Comment Dieu te fait comprendre quelque chose? How God make you understand comme celui something. Qui a trouvé un théorème qui dit « Eureka, j'ai and trouvé like ». Ça, c'était le rhéma. Found it. C'est une révélation. It's a revelation. Je lis toujours Jean 3, 16. I read car John Dieu a tant aimé le monde for God so loved the world, qu'il a donné son Fils unique he gave his only afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Have everlasting life. Pour moi, c'est normal. It's normal. Au fil des années, comme une année de christianisme, ça devient banal. As year mais by un jour, you lors d'une méditation, while you are le Saint-Esprit te fait comprendre ça autrement. The Holy Ghost give you mais another un jour, understanding. Lors another d'une day, prédication, il y a comme une lumière qui vient. It's like light. Is lit. Et tu ne vois plus ça comme non un verset pour un nouveau converti, like pour la conversion. Convert, mais tu comprends ça autrement. You understand c'est ça, it differently. C'est ça le rhéma. This is amen. Amen. Donc Dieu ne te parle pas. God is not talking to you. Tu as besoin de quelqu'un qui est éloquent. You need someone who can speak well. Pour faire semblant de comprendre. To tu sautes et puis on dit qu'est-ce qui a été dit. And what was said. C'était puissant. It was powerful. Mais il a dit quoi son message? Le thème what c'est quoi? What did you say? What is the topic of the message? Tu as raté le culte. Oh, you missed the service. C'était fort. C'est le it thème was ça? Strong. Tu as raté it le was culte. Too strong. Ah non, le gars, il est fort. Il connaît this la parole. This man, he knows the word. J'aime quand il prend les trucs en hébreu. I like when he uses this is Greek and this grec. Is Hebrew. Mais il avait dit quoi en grec? What did he say? C'était bon. No, bon. That was good. I forgot. Dieu ne te parle pas. God never speaks to you. Alléluia. Amen. Mais quand le ciel est ouvert, but when heaven opens, Dieu te parle. God can qu'est-ce speak. Que ça veut dire? What Dieu te parle. Mean? Ça veut dire que quand il te parle, tu entends. It means when he speaks, you can hear. Sinon, Dieu parle toujours. God always speaks. C'est toi qui n'entends pas. But you cannot hear. Parce que ton ciel est fermé. Because your heaven dis-moi, is locked. Dis-moi, j'ai dit que quand I le said, ciel s'ouvre, when heaven opens, comme c'est une porte, because it's a comme gate, c'est une fenêtre, it's a window, tout ce qui est devant toi qui représente une porte ou bien une fenêtre, mais tout ce qui est fermé everything closed, s'ouvre comme ton ciel qui est ouvert. Like an open heaven. Donc quand ton ciel est fermé, when your heaven is même locked, tes oreilles your ears sont fermées, are locked, tes yeux are shut, sont fermés, your eyes are closed. Les choses sont là, les bénédictions sont là, mais tu ne vois pas. Things, blessings are there, but you cannot Dieu see. Parle. God speaks. Il y a du bruit, du vent there qui arrive, noise qui annonce la pluie, mais tu ne sais pas, tu and continues de murmurer rain, et de te plaindre. You still complain. Voilà pourquoi nous devons rechercher un to ciel ouvert pour que nos oreilles s'ouvrent pour entendre les choses spirituelles et la voix open. De Dieu. Pour que nos yeux s'ouvrent pour open, voir la gloire de Dieu et pour voir God. Ce que Dieu nous montre. Donc je disais, quand le ciel s'ouvre, when it opens, Dieu parle. God can speak. Et quand Dieu parle, when God speaks, on entend sa voix. You can hear his voice. Alléluia. Amen. Puisse Dieu ouvrir ton ciel. May God et que de maintenant à la fin de l'année, and by the close tu n'entends of pas year, seulement la voix des hommes. Tu n'entends pas seulement la voix du diable, mais que tu entends voice, la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que tu entends la voix de Dieu. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, ils sont spécialistes d'entendre la voix du diable. We are expert in hearing ils sont the spécialistes voice, dans le fait d'entendre la voix des démons. And they hear devil's voice. Les yeux sont ouverts pour voir les démons. Their eyes are open mais to regardez see tout ce qu'on a cité. Look at all that en we aucun listed. Cas, quand le ciel est ouvert, when quelqu'un a vu open, un démon fuir, quelqu'un a vu un démon tomber devil falling, ou bien monter, or, mais ce sont les anges away, qui montent angels, et qui descendent. Angel et Jésus a vu l'Esprit.
And Jesus saw the Esaïe spirit. A vu aussi l'esprit de and Dieu. Isaiah saw the spirit of God. En plus des anges. In addition to angels. Alléluia. Quand amen. Le ciel s'ouvre, tout ce qui était fermé opened, spirituellement aussi s'ouvre. Everything closed tout ce qui était fermé matériellement aussi s'ouvre. C'est pour cela que nous prêchons un ciel ouvert. That is why we afin are que dans ta prière, tu soupires après cela. Tu demandes see. À Dieu qui fait grâce et qui t'accorde un ciel ouvert. Afin que tout ce qui est bloqué dans ta famille, alléluia. Les enfants, ça ne va pas. Your children alléluia. Are not Dieu healthy. Ouvre ce ciel et puis ouvre les cœurs. May God open afin que les choses aillent. Qui a dit amen? May be okay with you. Qui a dit un vrai amen? Amen. Donc quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, Dieu parle. God can speak. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, Dieu donne son cachet à quelqu'un ou bien à quelque chose. God can give quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, this one is my il donnait son approbation. Only begotten son in tu peux être I'm appelé pleased. Au ministère. You may be called mais s'il n'y a pas ministry. Encore l'approbation de Dieu, but if there is no God's approval, en guise de top, de, tu peux commencer maintenant. To give you the go ahead, say, now tu you vas lutter start. Dans le ministère. You will just wonder about. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner un travail. God may Dieu give peut you te some donner work une affaire. Or a business. Tu as besoin de son approbation. But you need his il dit, approval. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This one is my le Seigneur n'a pas son. Commencé. He didn't start painfully like others. Non. No. Mais déjà, but tout le peuple the people, que Jean-Baptiste avait déjà gagné, that John cette the Baptist multitude won, qui était là, that multitude l'a connu. L'a vu, saw him. Avec Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de John Dieu, the Baptist, who qui ôte le péché du monde. Le Messie que nous attendions, world. Le voilà, il est là. The Messiah, et we have been une awaiting. Voix se fait entendre au ciel, and, que tout le monde a entendu. Everyone celui-ci est mon fils bien-aimé. This one is my et beloved le son. Saint-Esprit qui descend. And the Holy comme il est esprit, il est invisible. Also lit. Mais il prend la forme he took the shape d'une colombe pour que les gens sachent, for people to know, pour que les gens voient for people to see, que voici l'esprit. This is the la colombe représente l'esprit. Il vient spirit, sur Jésus. And came on n'a jamais Jesus. Vu quelqu'un we expérimenter ça. On n'a jamais entendu une voix témoigner de quelqu'un. C'était above. La première fois. That was the on n'a jamais vu la colombe descendre sur quelqu'un. Coming on même someone, si Jean-Baptiste, on n'a pas vu. C'était la première see. Fois. Quand time. Le ciel s'ouvre, les choses étranges, les choses mystérieuses, les choses qu'on ne connaît pas avant, ce que l'œil n'avait pas vu, ce que les oreilles n'avaient pas entendu, c'est ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons absolument et impérativement besoin d'un ciel ouvert pour que ce qui n'avait pas l'habitude d'arriver dans notre vie commence à arriver. Que ceux qui ne croient pas so en toi, ah, ta femme peut ne pas croire en toi, je your t'assure. Vous you. Êtes marié, mais elle ne croit plus en toi. Peut-être qu'elle ne croyait pas en toi depuis le début, tu ne savais maybe pas. C'est maintenant ça sort. Ton mari beginning. Peut ne pas croire now en toi. Mais quand Dieu believe. Ouvre le ciel, heaven, il parle au cœur de l'homme. Il parle dans le rêve de l'homme. Et ce n'est pas quelqu'un qui a parlé de toi. Not c'est Dieu about you, but qui a parlé de toi. Et celui you. Qui te méprisait te donne maintenant de la considération. Consider celui you. Qui ne croyait pas en toi commence à you. Croire en toi. To celui you. Qui dit toi, say, Dieu ne peut pas t'appeler. God cannot call lui you. Seul, il rend témoignage. Il sait ce qu'il a vu en rêve. He knows il sait ce qu'il a senti. He knows il sait ce qu'il a reçu. Et il rend grâce à Dieu. Que ton ciel s'ouvre et qu'il y ait l'approbation de Dieu dans tes affaires. Alléluia. Je dis que ton ciel s'ouvre et que Dieu t'approuve. And may God donne approve son approbation of you. Give his approval par rapport au talent qu'il t'a donné. Il donne son approbation par rapport au don qu'il t'a donné. Au potentiel qu'il t'a donné. Potential. Tu peux avoir tout ça. You may have le potentiel. The potential. Les capacités. Capacity. Les aptitudes. Les dons. Gifts. Les talents. Talent. Le génie. And genius. On ne te considère pas. And people on ne voit même pas ce que tu fais. We don't see what on n'accepte pas ce que tu people fais. Don't accept what c'est quand tu doing. N'es pas là. When ah, you are s'il était around, là, il allait faire. Quand tu es là, c'est comme there, tu n'es pas là. When you are here, parce que here. Tout ce que tu as reçu manque d'approbation. Lack par ce message, by that je demande l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un. God's alléluia. Je demande l'approbation de Dieu. I'm asking for God's vous avez vu approval dans la Bible, qui peut maudire ce que Dieu a béni? Who can curse what God has blessed? Qui peut bénir ce que
Dieu a maudit. Who can bless personne what God changer. Has cursed. C'est lui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Close, no one can mais si Dieu dit un mot if God say sur ta a vie, word over si your donne life, une parole sur ta word, vie, si Satan a entendu, Satan il va transmettre heard, à ses démons. Les démons vont transmettre aux sorciers. Ils vont voir des choses. Ils vont te rester tranquille. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un ciel ouvert sur la vie de quelqu'un. Afin que certaines attaques s'arrêtent. Au nom de Jésus. Let there afin be open ever to stop a number of attacks of the devil. Un certain cycle. A qu'il y a dans ta vie cycle in your et life, sur ta vie over your life, s'arrête. Stop. Quelqu'un peut crier ce matin you say, les cieux ouverts open heaven, sur ma vie. Dis ô Père les cieux ouverts sur ma vie. Oh, Father, open et quand le ciel s'ouvre tu vois. When it opens, you can see. Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu. Ézéchiel saw. Il a vu. Il saw. Alléluia. Amen. Comment il s'appelle? Le Seigneur Jésus a vu l'Esprit de Dieu. The Lord Jesus saw the Spirit. Et lui-même il dit vous verrez désormais les cieux ouverts, c'est ça? And et puis vous verrez quoi? Les anges and you will see, monter and et descendre. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opens, tu vois l'opportunité qui est devant toi. Tu ne peux pas rater l'opportunité. Qui a dit amen? L'opportunité qui était là depuis. Mais comme le ciel était fermé, tes yeux étaient fermés. Alléluia. Mais quand le ciel s'ouvre, tu vois l'opportunité. C'est pour cela que je déclare un ciel ouvert sur ta vie pendant que je prêche. Pour que ce qui est à côté de toi, que tu ne voyais pas, tu commences à voir. Et tu commences à voir, quand tu vois comment Étienne décrivait les choses, tu commences à voir le plan de Dieu pour toi. The plan of God for tu commences you. À voir ce que Dieu a en réserve pour what toi. God has in store est-ce que for tu you? Sais que tu peux voir ça? You make, tu peux voir d'avance. You know, you can see that. Mais tout dépend de ta communion avec but Dieu. It depends about your fellowship ta relation with avec God, Dieu. Your relationship with God. Alléluia. Amen. Dieu ne montre pas des choses précieuses comme ça God n'importe comment. Precious thing Dieu ne montre pas des choses précieuses comme ça excusez-moi le thème, à n'importe qui. To anybody. La Bible parle de la sanctification sans laquelle the Bible talks about holiness without which nul ne verra no one Dieu will see donc God. Tu vis n'importe comment if you live any tu how, agis n'importe comment you move any dans how, la désobéissance you are in disobedience in et puis tu veux voir les cieux ouverts and you want to see open heaven c'est le tombeau ouvert tu vas voir you are, will see open tomb c'est le cimetière ouvert tu you vas will voir see open graveyard les démons qui dansent et qui sautent and, qui te poussent the devil dancing and jumping je vous dis la vérité let me tell you the truth alléluia amen 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 Jésus a dit que désormais tu verras de grandes choses à qui and Jesus said, you will see great things to whom? Il a dit désormais, vous verrez le ciel ouvert à qui? You will see open heaven to whom? Qui sont transformés. To his transformed disciple. À Nathaniel. To Nathaniel. De qui il a rendu témoignage. Of which voici un homme en qui il n'y a this point de fraude. A man in whom there is désormais, no tu verras de fraud. Grandes choses. You will see great things. Désormais, tu now, verras le ciel ouvert. Now you will see open heaven. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Lord, help me. Alléluia. Amen. Donc la première chose, tu entendras la voix de Dieu. So number one, you deuxième are going chose, to hear the voice of God. Tu verras des choses cachées que Dieu va te montrer. Number two, you will see hidden things amen. That God will show you. Alléluia. Amen. Et tu verras ces choses-là. You will see those things. Amen. Tu amen. Verras des choses. You will see things. Que tu veux que Dieu sache. That you want God to partie know. Partie et monter vers lui. Ascending tu verras des choses que tu him. Attends de la part du Seigneur. And you will see things descendre from God, et venir vers toi. Et la troisième chose, number three, tu verras l'Esprit. You will see the Holy Spirit. Tu verras le Saint-Esprit. You will see the Spirit tu of God. Connaîtras le Saint-Esprit. You will know quand the Spirit. Le ciel s'ouvre, when heaven opens, tu connais le Saint-Esprit. Know the Holy Spirit. Jésus dit, j'ai vu l'Esprit. And Jesus saw, et l'Esprit I est saw descendu the Spirit, and, the sur Spirit, lui. Ce sont des notions très importantes. And ce sont des notions très importantes que nous devons garder. That we need to keep. Qui a dit amen? Amen. Amen. Pourquoi amen est froid comme ça? Why your amen is so cold? C'est toujours froid. Is it still cold? C'est tiède. It's lukewarm. C'est-à-dire, au lieu de pousser, il y en a même qui sont énervés. Dis amen! C'était là, non? Tu as mis ça où? It was there. Why you didn't say your amen? Hot amen. Tu provoques même pas Dieu. You don't want to provoke God. Donne-lui son amen, il est content. Give him his amen, he will be happy. Et puis il te donne ce qu'il doit te and donner. And will give you back. Il s'oublie même et puis il dépasse et puis il te donne au-delà. And he will give you
Toi, tu cotises, tu gardes pour toi, tu veux que and lui... You contribute with your amen. Alléluia. Amen. Les gens ont dit tellement alléluia, ça maintenant ça a plus d'effet, maintenant on dit alléluia. Que Dieu nous aide. May God help us. La Bible nous montre. The Bible shows. Que quand le ciel est ouvert, when heaven is open, il y a une atmosphère qui est créée. An atmosphere is created. Alléluia. Amen. Et cette atmosphère là change tout. And it changes it all. Amen. Amen. Maintenant on va avancer. Now shall we proceed? Quelqu'un dit aide-moi Seigneur. Somebody says Lord help me. OK. Malachie 3, 10 appelle les cieux ouverts, comme j'ai dit tout à l'heure, les écluses. So Malachi 3:10 calls open heaven windows. Mais ici, il nous montre comment ça se manifeste. It shows us the manifestation thereof. Lisons Malachie 3, 10. Shall we read Malachi chapter 3, verse, from verse 10? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des oui. armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction si, en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, comment? En abondance. En abondance. Donc, ici, Malachie nous montre que here Malachi is showing les cieux ouverts, c'est une bénédiction abondante. That open heaven quand tu is demander plenty au blessing. Seigneur un ciel ouvert. Why not asking an open tu ne sais pas ce que tu entends de demander, c'est une bénédiction you abondante. Don't know what you are parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, blessing, tout ce qui est glorieux, everything which is tout ce qui est abondant, abundance. La Bible dit vient des cieux, n'est-ce pas? It comes from et vient heaven. Du Père des lumière. And you will et become dit, the father of si life. Vous faites une certaine chose, vous verrez. If you do something, si je n'ouvre pas les écluses pour vous donner, I will not open heaven to la bénédiction you. Comment? Blessing. En abondance. That there shall not be room enough to receive it. Donc, le ciel ouvert, so, c'est la libération de la bénédiction. Is the release of blessing. Et pas n'importe laquelle, mais la bénédiction and abondante. Not any blessing, but there are plenty alléluia. Blessing. Amen. Le ciel ouvert open heaven vient pour que les choses augmentent dans ta vie. For things to increase quand ton your ciel life. Est ouvert, when si ta vie de prière open, est basse, est peu, if your prayer life le ciel ouvert low, vient augmenter ta vie de prière. Alléluia. Open ever si ta vie de jeûne est quasi inexistant, if your fasting cette life raison, is non-existent, le ciel ouvert vient augmenter ces choses. And the open heaven comes si ton increase, grenier if your est en train de diminuer is et est en train de se down, vider, and is being le ciel ouvert empty. Vient apporter open quoi? L'abondance. Brings alléluia. Increase. C'est pour cela que that's le why. Ciel ouvert que tu vas expérimenter dans in cette saison, open heaven you ça va faire que that season, dans ces temps difficiles qui sont annoncés, in this hard time, la vie devient chère. Life, les choses augmentent. Nous sommes increase. Tous témoins de ce qui se passe. We know what is happening. On comprend même pas. We don't understand. Il y a une guerre qui se passe quelque part. A war is happening à combien elsewhere? De milliers de kilomètres? Thousand on n'entend même pas les bruits. We don't hear on n'entend pas le son des bombes. No sound of bombs. Mais on ressent but you can feel les problèmes problems. Économiques de la economic chose. Business problem. On dit mais pourquoi ça s'est augmenté? Why did that increase? La guerre à Bobo. The war in that place. Pourquoi ça s'est augmenté? Why did that increase? Est-ce que les balles sont venues rentrer dedans? And the let's est-ce say qu'une bombe qui a explosé dans un champ or a pour que les choses augmentent? That mais quand ton in ciel farm, est ouvert, when your au milieu open, d'une telle crise, in the midst of tu n'expérimentes pas cette crise-là, mais tu expérimentes that, l'abondance de Dieu. God abundance. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que c'est à Goshen, dans la même Égypte, que le peuple était. Egypt, et il y avait le jugement de Dieu. There was God judgment. Et il y avait une crise. Crisis. Il y avait des crises de toutes sortes. Many type of mais le peuple de Dieu n'était pas concerné. But the people que of dans God cette was saison de ciel affected. Ouvert, toi et moi, nous ne soyons pas concernés par ce qui se passe. Pendant que les denrées alimentaires augmentent, l'Éternel, dans sa providence, augmente nos revenus, augmente nos entrées et augmente notre salaire. Mais tu n'as pas dit amen. Pendant qu'il y a l'inflation
Alléluia. Dieu nous bénit de façon surnaturelle. Alléluia. Pendant que naturellement ça ne va pas, Dieu nous envoie dans le surnaturel. Et c'est ça le ciel ouvert. Quelqu'un dit, Père, ouvre le ciel sur ma vie. Father, open heaven over my life. Alléluia. Amen. Donc il dit que ça veut dire l'abondance. It means more. Il dit, vous than verrez enough. Si je ne menace pas le dévoreur. And I will rebuke the devourer. Ciel ouvert veut dire for your sake, it means guerre contre le dévoreur. War, mais pas une guerre que toi tu mènes, but you are mais not une guerre que Dieu mène pour war. Toi. But God is parce que le for ciel you. Ouvert, il y a les anges qui montent. You have ascending le angels. Ciel ouvert, il y en a qui descendent. And descending angels. Les anges sont des messagers. They are messengers. Les anges sont des guerriers. They are warriors. Les anges sont des soldats de Dieu. They are God's parce soldier. Que la Bible parle de l'ange, comment on appelle, l'armée céleste. And the heavenly l'armée angélique. Angelic host. Donc ils viennent régler le problème du dévoreur. So they come and fix the devourer. Voilà pourquoi, that's why. Dans ces derniers temps, les enfants time, de Dieu que nous sommes, nous God, devons marcher sous un ciel ouvert. Nous devons opérer sous un ciel ouvert. Nous devons travailler sur un ciel ouvert. Et Dieu nous l'a promis, Dieu le fera. Je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de comment ton ciel sera ouvert. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Je dis, ton Dieu est fidèle. Donc, Malachie 3, 10 à 12. Vas-y, Patrick, vite. Ok, quick. Ok. And I will rebuke après le ciel ouvert, after open heaven, la protection des fruits de la terre. And the protection of il dit, the tu verras si je ne vais pas protéger pour and toi I shall not, tes fruits. And I will protect the fruits. Alléluia. Of the ground. Donc quand le ciel est ouvert sur when ta vie, heaven is open il y a une protection life, qui vient sur ta maison. Il y a une protection qui vient sur ta vie. Il y a une protection qui vient sur ce que tu fais. Work, donc il peut y avoir des attaques end. De part et d'autre. There might be attack everywhere. Alléluia. Amen. Il peut avoir des contagions de part et d'autre. And there might be contamination. C'est là toi tu expérimentes. And you experience 1000 tombent à mes côtés, 6000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que j'ai la protection divine. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon ciel est ouvert et j'ai l'immunité céleste. Qui a dit amen? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu vas voir si tu ne vas pas produire et prospérer. And you will prosper and thrive. Donc le verset 11 nous montre que verse 11 un ciel ouvert an open heaven veut dire means quand le ciel est ouvert, when it is open, la pluie tombe. And the rain donc plus falls, de sécheresse, no drought, plus de stérilité. No dryness, quand ton ciel est ouvert, no infertility, tes entrailles ne sont plus stériles. Your womb tes mains no ne sont plus stériles. Ton travail n'est plus stérile. L'œuvre de tes mains produit. And you can produce. La stérilité est changée en productivité. Your barrenness is turned donc, into toute productivity. Personne qui ici ce matin so anybody here expérimente experiencing une certaine sorte de stérilité, a type of barrenness, d'improductivité, of lack of production, d'infertilité, infertility, et de sécheresse, and dryness, c'est un signe it's an indication qu'il y a une écluse. Ou bien les écluses qui sont fermées. Mais pendant que tu entends ce message, la parole de Dieu vient et ne retourne pas sans avoir accompli ses effets. Moi, je suis ici, je prêche, mais je sens les effets de la parole qui vient vers toi. Alléluia. Et alléluia. Toi qui es en train de connaître toutes ces choses-là, Dieu les change en fertilité. Qui a dit amen? Dieu les change en productivité. Parce que ce message, Dieu l'envoie. God said it pour toi, to you, parce qu'il veut ouvrir le ciel pour toi. Open Dieu l'envoie pour toi, God is sending to parlant you, de certaines personnes, talking about parce qu'il est en train d'ouvrir pendant que je parle. While I'm speaking. Et pour d'autres personnes encore, others, Dieu te fait entendre ce message, God is parce qu'il a déjà ouvert les cieux pour toi. Alléluia. Et les choses sont en train de se manifester. Tu peux balancer les mains, dire merci Seigneur pour ton ciel ouvert. Dis merci Seigneur pour l'opportunité d'un ciel ouvert. Dis merci Yahweh pour l'opportunité que tu nous donnes en tant que tes enfants d'avoir un ciel ouvert. Alléluia. Et au verset 12, Malachie 3, le verset 12, il dit quoi? Il dit, toutes les nations, all the nations shall call you vous blessed, diront shall call you heureuse, blessed, bien heureuse. Blessed. Quand le ciel s'ouvre, when heaven opened, alléluia, amen. Dieu t'envoie dans la dimension des grands.
God said quand la Bible parle des nations, il parle de la grandeur. Nobles. Ce n'est plus un truc local, localisé dans ta maison. No more, homebound. Ce n'est plus une destinée localisée au travail no more ou dans la famille. Bound, ou bien dans le quartier, bound, dans la ville. Or in the neighborhood. Mais il dit les nations. Nations. Donc ça sort même du cadre de ta nation. It means it comes from your nation. Alléluia. Amen. Tu seras heureux dans ta nation. You shall be happy et tu seras heureux quand tu sortiras dans les autres nations. Abroad. Tu seras considéré dans ta nation. And you will consider et tu seras considéré dans les autres nations où tu iras. Nations. Parce que la grâce de Dieu de ce ciel ouvert là serait en train de t'accompagner. Qui a dit amen. 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 Et il dit et il said, vous serez un pays de délices. And you shall be a land, a delight. Quand le ciel s'ouvre, when heaven Dieu opened, te voit plus en singleton. God does not see you alone. Dieu ne voit pas toi et madame seulement ton couple. You and your wife. Dieu ne te voit pas toi et tes deux enfants seulement. You and your two children. Qui a dit amen? Amen. Dieu te voit comme une nation. He see you as a et Dieu nation. Te traite comme une nation. As a nation. Et Dieu te visite comme une nation. And he visit you as a alléluia. Nation. Amen. Il dit tu seras un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Tu seras béni comme une nation, comme un clan. Like a great one. Quand on parle de délices, on parle de tout ce qui est agréable, delight, tout ce qui est paisible. Pleasing, peaceful, quand le ciel s'ouvre, when it opens, la paix vient. Peace comes. Je suis en train d'annoncer la paix de Dieu dans the la famille de God quelqu'un. Je suis en train d'annoncer la paix de Dieu à cause d'un ciel ouvert dans le travail de quelqu'un, dans le lieu de travail de quelqu'un. Alléluia. Dis Seigneur, accorde-moi cette grâce. Lord, give me that je ne t'ai pas entendu. Dis Seigneur, accorde-moi cette grâce. Dis Seigneur, accorde-moi cette faveur. Au nom Lord, de Jésus. Give me that favor. Quand Dieu ouvre les cieux, God open, when God opens heaven, non seulement il parle, not only can speak, il te montre des choses, he shows you things, cachées, hidden things, alléluia, amen, mais il fait tomber la pluie, but it causes rain to fall, abondamment, and bountifully. Et je déclare, and I declare, que ta sécheresse that your drought prend fin. C'est comme si le ciel ouvert, c'est comme si nous sommes like en une période de saison de pluie. We are in the rainy season. Tu vas trouver des flaques d'eau partout. And you will see tu vas voir de l'eau partout. Puddles. Et dans des endroits même, tu vas avoir des inondations. In some place you are flood. Plus de place pour la sécheresse. No room for plus de place pour ce qui est drought, sec et improductif. Or lack of reçois ce ciel ouvert là au nom de Jésus-Christ. Et qu'une nouvelle pluie, la pluie de l'arrière-saison commence à tomber. Que tes affaires produisent. Oh, que ton mariage produise. Même tes enfants commencent à produire. Ils ne travaillent pas encore, mais ils produisent ce qui est bon. Alléluia. Ils génèrent ce qui est bon. Amen. Que tes affaires génèrent de grands revenus. Amen. Qui dit amen et que ces affaires commencent à changer. Que ton travail génère une augmentation. Je dis ton travail, ton travail. Quel est le commerce que tu fais? Quelles sont les affaires que tu fais? Que cette pluie qui vient là génère quelque chose d'extraordinaire. Toi, se dis amen. Je veux prendre 5 à 10 minutes. I want to take 5 to pour 10 te minutes dire, to say, et puis terminer, comment provoquer un ciel ouvert? How can you trigger? Comment on peut amener Dieu aussi à ouvrir le ciel? How can you trigger open heaven? Dieu, God, dans sa souveraineté, as is his sovereign, peut décider. May decide. Vous avez vu, nous sommes en période d'indépendance. You see, this is Independence Day today. Le président. The president, il est souverain. Is sovereign, il peut décider decide de libérer to release des prisonniers qui ont été condamnés à vie prisoners ou who à mort sentenced for life ou bien pour de longues années. To death. Donc, grâce présidentielle. So, on va parler de ciel ouvert ici. Presidential pardon. On va parler de prison ouverte. We can say open prison. C'est ce que les hommes peuvent faire. That's what Dieu seul est capable d'ouvrir le ciel. Et Dieu heaven va ouvrir le ciel pour and toi et moi. So au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut décider. God may decide. Mais aujourd'hui. That today. Papa Nguessan. And Daddy Nguessan, sa position croisée comme ça me touche. And his position is touching me. Ange Gabi, and he can say, ouvre le ciel sur sa tête. Dieu peut décider. Open heaven over his head. God may decide. Il dit, je suis en train de voir son attention. So his attention. Et puis je ne sais pas ce qu'il a dans son cœur que Dieu voit. I don't see what he has in his heart. Et puis il vient comme Marie. Il dit, je vous salue, Marie. Ange and va te saluer. And he comes and he says,
Si tu n'as pas trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Who are you if you don't find favor with God? Quelqu'un me suit? Like Mary. Il y a la grâce de Dieu qui peut permettre un ciel ouvert. The grace of quand God même tu n'as pas demandé. Create open heaven. Maintenant, il y a ton attitude. And your attitude. Vis-à-vis des principes de Dieu. Toward the principle of qui God. Qui peut amener Dieu à dire. That can cause God to say. C'est maintenant. It is now. Je voulais ouvrir son ciel le mois prochain. I want it to je open voulais ouvrir next son month. Ciel l'année prochaine. Or next year. Mais c'est maintenant. But this is now. Nathanael. Voici un homme behold en qui il n'y a point de fraude. À partir d'aujourd'hui, tu verras des grandes choses. Ton things. Ciel est ouvert, Nathanael. Tu verras les anges monter. Nathanael, moi je passais. Il dit, la vie de sainteté que tu as menée, ce n'est pas en vain. Dieu a vu cela. Et Dieu a décidé que ton ciel s'ouvre. Donc moi, son fils bien-aimé, je déclare ton ciel ouvert. I declare your et Nathanael a marché dans une autre dimension. And Nathanael became another man. Et la Bible dit, the Bible says, depuis l'avènement de Jean le Baptiste, since the advent of John the Baptist, qu'il est né, parce qu'il est né pour quelque chose, and he was born for something. Le royaume des cieux est comment forcé. The kingdom of God is ce sont false, les violents qui s'en emparent. And only the violent take it. Mais ceux qui à la maison font les palabres, les cata au travail, tout. Et puis à l'église, il y a une belle image comme ça comme les anges. At home. Et puis il dit non, je suis saint, je suis saint. No, tu n'as pas only, rien à voir. You will not force. Get it. You will not get it. Force le royaume. And, force les portes du royaume. Take it par la prière. By prayer. Par la justice de Dieu. By God force justice. Le royaume de Dieu. And, par le jeûne. By par une communion avec Dieu. By par la foi. By faith. Par l'agressivité spirituelle. By spiritual violence. Par une colère sainte. A holy anger. D'accord. Amen. Force, je dois entrer. Le royaume de Dieu est forcé. And ce sont les violences spirituelles. Violence, ce sont les fervents. Violence, ce sont les zélés. Zealous, ce sont les passionnés qui s'en emparent et qui force. Prennent les bénédictions et qui jouissent des bénédictions. Qui a dit amen? Mais pas les hypocrites. Pas not ceux qui font semblant. Not, ici, là, on ne fait pas cinéma. Here, on est qui on est. And we are who we are. Dis à ton voisin. Tell your neighbor, ici, on ne tourne pas film. We don't shoot movies. We don't shoot movies. Ici, on shoot pas, on tire pas sur les films. Alléluia. C'est ça? Non, on filme pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. OK. Premièrement. Number one. Comment tu peux provoquer ton ciel? How can you trigger your open heaven? Comment tu peux toucher le cœur de Dieu, amener Dieu à ouvrir? How can you reach out to même the s'il n'avait pas God, prévu ouvrir. Even though it was unplanned. Cela est possible. It is possible. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi Lord, à y arriver au nom de Jésus. Premièrement, to make it happen. Par la justice et la droiture de Dieu. OK, by God, righteousness and uprightness. Matthieu 6, 33. Matthew 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa... Seek first the kingdom of God and et his toutes righteousness. Choses vous seront données. And all things mais shall tout ce be que Dieu given donne vient d'en haut. You and what he gives come from above. Alléluia. Amen. Si tu peux chercher la justice if de Dieu. You can seek si God tu justice, peux marcher dans la droiture if de you Dieu. Can walk in the ça justice, va faire venir à toi it will les choses d'en to haut. You parce qu'au ciel, above. Il n'y a que la justice. In heaven you il n'y a justice, que la droiture. Uprightness. Et c'est ce qui touche le cœur de Dieu. And that can c'est touch ce qui heart, attire l'attention de Dieu. Attract is le péché sin détourne l'attention de Dieu. And mais quand le eyes Dieu a les yeux sur toi pendant que tu pèches, c'est qu'il veut venir à ton secours. If you are sinning and he's non, maintenant, ce que tu dois faire, il faut te repentir. Il faut confesser pour que tu te détournes pour que and, Dieu puisse accepter. D'accord? You have to mais turn la away droiture from attire Dieu. But, righteousness attracts God. On va lire un verset. Amen. Ça va nous bénir. It's going to bless us, that le verset verse. Est où? 1 Pierre 1, 15 à 16, rapidement. 1 Pierre chapitre 1. First Peter chapter 15. 1 verse Alléluia. First Peter ça 1. Va faire venir des choses incroyables it's et nous allons vivre des événements inhabituels. Things. Vas-y. And oui, puisque tu as appuyé ton truc. OK, donc vas-y. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Woo! Vous aussi soyez saint ah. Dans toute votre conduite. Non, dans un peu de conduite. Dans toute votre conduite. Non, pourquoi? Selon qu'il est écrit. C'est compliqué ça. But as we he has called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Selon qu'il est écrit.
Vous serez saint car je suis saint. You shall be as it is written, be you holy for on dit tu es I am holy. On dit tu es une colombe. So you say you are a dove. Et puis tu es noir comme corbeau. And you are black like a raven. Est-ce que ça c'est possible? Is it possible? Est-ce que c'est normal? Is it normal? Colombe. You are dove. On dit recevez la colombe. Receive un corbeau the tout colombe, noir avec un peu de blanc. A black a black ça, raven c'est pas la with a part which is white is witchcraft. Dit, quand la colombe là vient comme ça, dit, ça c'est colombe. And you say this colombe one des is temps. A dove. Then sorcellerie d'un autre modèle. Tout le monde va fuir. Everybody will run if you see a raven. D'accord. You agree. Vous serez saint car je suis saint. You are holy for parce que vous I sortez de holy. Moi. Because you je proceed from me. Les amis, pensons. Let us think. L'intention là même ça compte pour Dieu. The intention matters pensons à vivre dans la sainteté. Let's pensons à marcher holiness. Dans la sainteté. Let's walk nous n'est pas fait. No one is mais perfect. Le fait que tu désires ça, le Saint-Esprit viendra te donner la force. Il viendra te soutenir. Mais tu ne penses pas à ça. Le verset que tu as retenu, tu the connais même read, pas les références. You don't know the reference la chair of that faible, verse. La chair est faible. And the flesh is weak. La chair est faible. What is the verse? The flesh is weak. Oui, la chair est faible. Tu dis ça toujours. C'est dans quel passage? Which scripture? Moi aussi, je te dis maintenant. I will say now. Que le faible dise. Let the weak say, I am strong. C'est-à-dire la chair faible là peut devenir. Which means that the weak flesh can become je te donne un nouveau strong. Verset. Il faut garer la chair I faible. Give you a new one back. Maintenant que le faible dit je suis fort. Let the weak say donc I'm quand strong. Il tombe là, il se relève. When you fall, et puis ne tombe pas. You rise up again, not to fall donc, again. Dieu attend à ce que nous soyons saints. God expects us to be holy. Pas par notre propre force. Not by with mais our own might. Nous aider. But he si wants nous to voulons, help us si l'intention est là, willing. Marchons dans la justice de Dieu. Let us tu ne peux pas dire que tu es chrétien. You cannot say you are Christian. Et puis là où tu es même, c'est danger. And where you are is dangerous. Il y a des païens qui sont plus honnêtes que toi. There are tu es chrétien, tu es à l'église. You on are obligé Christian. D'attraper notre sac pour suivre le culte. We want to fall, we have to carry our bags because you may steal it. De cette façon, on te voit là, mais si on laisse. If we leave our bags. C'est-à-dire, on est venu un sac plein, on va un sac vide. Well, we come with a full bag and et come puis, back toi, with tu veux voir bag. Le ciel ouvert. And you want to see open heaven. Est-ce que si Dieu même ouvre le tombeau pour que tu vois, est-ce qu'il a mal fait? And if God opened for you the heaven. Quelqu'un then, oublie son argent. Quelqu'un some, oublie son portable, il s'en va. Someone forgets tu as vu. And your his money in church. Oh, gloire à Dieu. And say, oh, glory be to God. God has answered my prayer. Tu vas pas l'appeler venir prendre même des don't païens call qui connaissent the pas Jésus. Ils prennent, ils poussent, ils sont they say they give. Marche dans la droiture. Walk in marche dans l'honnêteté. In qui a dit amen. Amen. Tu peux pas clamer parce que ça là, ça t'arrange pas trop. Ça va t'arranger. Au travail, on t'a confié la caisse sans savoir que tu es chrétien. And at the workplace they give par you la manière dont tu gères, on doit savoir que tu es chrétien. You are a treasure. You have, they need to know you are a Christian. Mais. But. Je continue bien, je laisse, vous avez compris. Mais. But. Si tu veux voir un ciel ouvert. If you want to see open heaven. Prive-toi de ces choses. Deny yourself ne prends pas this thing. Ce qui ne t'appartient pas. Do not take what marche does dans la droiture. Walk in le Seigneur te le rendra. The Lord will le pay Seigneur, you back. Ce que tu as perdu en étant juste. What you lost as ce you que tu as perdu just, en étant droit. As being upright. Le Père de la justice. The Father le soleil of justice, de justice. The Son of trouvera un moyen will find de te way le donner légalement. De te le donner justement. And ne sois pas pressé. Ne prends pas de raccourcis. Don't take shortcuts. Ce sont les raccourcis qui ferment ton ciel. Shortcuts close our heavens. Et tu deviens jaloux de ceux qui ont leur and ciel ouvert. You become jealous pourquoi? Of those with pourquoi? Open comment heaven. Je me regarde là même? Pourquoi tu te regardes when comme? I look at him, why? Pourquoi plains-toi chez Dieu? And complain with God. Dis Seigneur. Say Lord. Dis lève tes mains, Seigneur. Lord. Aide-moi. Help me. À marcher. To walk. Dans la justice. In righteousness. Et dans la droiture. And in uprightness. Dans la sanctification. In holiness. Comme toi, mon Père, like you, my heavenly tu es Father, saint. You are holy. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Dis amen. Amen. Deuxièmement, number two, ce qui provoque un ciel ouvert ou bien amène un ciel ouvert, what triggers ce n'est the rien d'autre qu'une vie d'obéissance. Is a lifestyle of obedience. Marcher dans l'obéissance. Walk in obedience. Quand est-ce que le ciel s'est ouvert pour Jésus? When heaven opened for Jesus. Quand il est rentré dans l'eau.
C'est quand il est sorti, il devait obéir à quelque chose. Lui, le Fils de Dieu, lui qui avait toute la plénitude de la divinité en lui, devait se prosterner devant un plus petit que lui. Jean-Baptiste dit quoi? John the Baptist said, tu es le Fils de Dieu. You are the Son of God. Mais en d'autres termes, tu es Dieu sur la you terre. You are God in earth. Je ne suis même pas digne. I am not. Il faut un ange worthy. Qui est pur pour venir enlever les lacets de ta chaussure. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas m'approcher I de toi. Draw near you. Mais Jésus a obéi à la voix du Père. But Jesus il dit, humilie-toi devant lui. Said, la même eau où la multitude a été baptisée, qui est devenue bien sale, toi-même, tu dois aller là-bas. Enter that water. Et comme l'humilité précède la gloire, and as quand il a obéi, quand Dieu a vu son obéissance, le ciel s'est ouvert. Il a vu l'Esprit de Dieu venir. Il a vu l'onction dont il avait besoin. Abraham, like Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi give me ton fils, your son, ton unique. Your only son, il peut avoir confusion. Whom you love, il peut considérer que consider Ismaël est son fils et son unique. That, Ismaël Seigneur, je te le donne pour me débarrasser de lui. I give it to him Dieu dit, God said, no, donne-moi Isaac. Give me Isaac. Il a pris Isaac. He took Isaac. Il a fait combien de jours de marche? And he walked for many ça travaillait days dans son cœur. Il was pouvait changer d'avis. In his heart. Mais en fait, il était it résolu dans son cœur. His mind. Un esprit d'obéissance. And he had the spirit une mentalité d'obéissance. A un caractère d'obéissance. The character of obedience. Obéissance à Dieu. To God, obéissance à sa parole. And to his word. Il a pris l'enfant. And he had il no n'a pas children hésité pour voir est-ce que Dieu va changer d'avis. Non. He did not hesitate. Même son fils lui demande. And he saw asking, il dit, Dieu pourvoira. He said, God shall arrivé là-bas, himself. Il met l'enfant sur l'autel. And he placed il lui lit les mains. Il dit, mon fils, fais-moi confiance. And, foot. Laisse-toi faire. Let me il attache. And il voit que j'ai eu tort de faire confiance him à papa. Said, I was je suis wrong sur le bois. I am on papa a un couteau en main. And daddy has a knife. Il me bande les yeux, il ne faut pas que je le voie me tuer. And, he also, l'obéissance jusqu'à ce qui t'aime le and plus cher. And to give what is more expensive. La Bible dit quoi? What the Bible says? Une voix s'est fait attendre. A voice appelé was Abraham heard deux fois. Abraham! 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 Ne touche pas l'enfant. Do not touch the lad. J'ai vu le cœur que tu as pour I have moi seen your puisque heart tu m'as obéi. Because you obeyed. Regarde de ce côté. Look at this side. C'est quand le ciel s'ouvre que Dieu parle. When donc, heaven son obéissance speak, obedience provoquait un ciel ouvert. Create le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé. God spoke. Dieu a approuvé son attitude. God approved his attitude. Dieu l'a béni. Dieu and dit, God bless you. God je says, te donne l'agneau du sacrifice. I give il regarde you the lamb for sacrifice. Dieu même a attaché l'animal. And God laisse ton fils the ram à cause de ton obéissance. And say, spare your son le ciel est ouvert pour for toi, the sake of obedience. Tu verras de plus grandes choses. You will see greater les things prophéties que je t'ai données and the prophecy que tu seras you le père d'une multitude you will be the father s'accompliront l'obéissance. Dans Jean chapitre 2, John chapter 2, quand Jésus était aux noces de Cana, when Jesus was le vin manquait, wedding of Cana, alléluia, amen. Et Marie a vu Jésus Mary pour qu'il saw fasse Jesus quelque chose, for him to do something. Et elle dit she au approach serveur, Jesus, faites tout ce qu'il vous dira. Do all that si vous he êtes asks capable do de lui obéir, if you are able il peut to vous obey, dire des choses étranges, he may tell il peut vous demander des choses bizarres. Things, oh. Il peut vous donner des ordres. Que, attends, quel être humain peut faire ça? Command. Mais si vous arrivez à faire but cela, if you manage to do that, vous verrez la gloire de Dieu. Le vin God viendra du ciel. Les gens boiront heaven un vin qu'ils n'ont jamais goûté dans toute and leur existence. Et parce qu'ils ont obéi, Jésus dit, prenez les vases. Take qui sont et la Bible dit, the, tu es là, Patrick? Ok, oui, je cherche le passage. Il ne faut pas chercher le passage, il faut m'écouter. Okay. La Bible dit, the Bible Jésus says, dit, prenez les vases. Take the ils vessels étaient sceptiques. They were ce ne sont pas des vases d'honneur qui sont là quelque part. They were not a vessel qu'on prend pour servir. Mais serve c'était des vases qui étaient dehors. But it was outside. Excusez-moi du terme pour qu'on se comprenne à Abidjan. Jean. Like. Seridaga. Seridaga. Donc, comme les gens marchaient beaucoup avant, il y avait la poussière, when il y avait pas de used to walk, quand vous arrivez, vous prenez pour vous laver come les mains, you take to wash vous prenez pour hand, vous laver les pieds. Wash donc, ce n'est pas quelque chose qui est trop propre. On ne prend it pas ça pour servir de l'eau aux gens à boire. We don't give it to drink. Mais si vous pouvez lui obéir, but if you obey, vous verrez un ciel ouvert. You will see open et vous heaven, verrez des choses étranges. And you will see et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Said, do all il dit, remplissez-les. Ils ont rempli. Il dit, remplissez en rapport que ça déborde. For it to overflow. Et c'est ce qu'ils ont fait. With the deed. Il dit maintenant, allez servir. Go and serve.
Seigneur, c'est du vin, on dit, on veut, c'est vin qui est fini, c'est pas de l'eau qui est fini. We say wine. L'eau n'était pas encore changée en vin. The water was il not dit, yet allez, he said, servir. Go and même serve. Commencez par l'ordonnateur du repas. But start with the first demand. Prendre de l'eau the pour le servir. They go and serve. Voilà de l'eau. That's pendant water. Qu'ils obéissent, while they obey, ils servent and they serve, l'eau, water, qui est la couleur transparente là, devient rouge, devient du vin. Like quand tu obéis, tu obey, forces Dieu à ouvrir le ciel. Et ce qui n'a pas l'habitude de se produire sur la terre, commence à se produire sur la terre. Je dis, ton water, obéissance à partir d'aujourd'hui ouvre largement ton ciel. Alléluia! Mais tu n'as pas crié amen. Tu es fatigué d'un ciel ouvert. Alléluia! Alléluia! Pendant qu'il faisait, le gars il goûte, il dit comment? While they were serving and he said when he tasted, les gars, he said wow! Où vous avez sorti le vin? Where did you get moi, that vous me donnez wine? Un vin à goûter, il fait. And if you give that wine, je n'aime pas, c'est pas doux dans ma bouche. Regardez là, ma fille elle fait, elle est étonnée, elle est choquée. Ça tu as fait pff. Nous on fait. Il y a des gens ici. There are some people here. Tu prends les bouteilles, tu viens ici. If you take a, enlève a, les a étiquettes. Bottle of wine, je vous dis la vérité. Remove enlève the label. Les étiquettes. Remove the label. Mettez Valpierre dans put un verre. Put Valpierre in the glass. Quelqu'un peut m'aider? Il y a quel vin encore? Mettez quoi? Il y a quel autre vin? Qui va me dire? Nana, il y a quel autre vin? Bon! Le Seigneur même en train de faire son travail. Il y a des gens ici, on dit, il y a des spécialistes ici. Bishop, on dit mouton cadet. Mouton quoi? Cadet. Ah. Il y a des. Quoi? Yo, Médoc. Je ne connais même pas. Priez pour moi. Donc, on dit quoi, Cyprien? Saint-Julien. Je vous assure qu'il y a des gens, vous mettez 5 verres. Vous mettez différents verres. Quand il prend ça, il dit, wait, ça drink. C'est Saint-Julien. Saint-Julien. Quand il prend ça, il veut. Ça, c'est Saint-Mathieu. Quand il prend ça, qui envoie ça? Ça, c'est Valpierre. Même si vous prenez Bandi, vous mettez Bissap, ça devient rouge. Quand il boit, il dit, ça, c'est Bandi. Il y a des gens qui connaissent. Some quand ils étaient là-bas, know. Some are experts. Ils disent, mais. Qui a envoyé ce vin? Who brought that wine? Comment vous donnez les mauvais vins? You give the poor après vous wine. Envoyez, parce que ce vin-là venait du ciel. Because it came from quand heaven. Ton ciel va s'ouvrir, when your heaven tout ce qui va t'arriver comme événement ne sera pas produit sur la terre, ne sera pas fabriqué sur la terre, ça viendra du ciel. Quelqu'un lève la main et dit, je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un lève la main et dit, je reçois. Quand ton ciel est ouvert à cause de ton obéissance, tout ce qui va venir n'est pas manufacturé ici sur la terre, mais ce sera manufacturé au ciel. Tu vas en profiter, ta famille va en profiter, et ce sera permanent, ce ne sera pas temporel, ce ne sera pas momentané. À cause de ton obéissance, à partir d'aujourd'hui, ta résolution, ta détermination, reçois un ciel ouvert. Tu obéis à la voix de Dieu, reçois un ciel ouvert. Tu obéis à la parole de Dieu, reçois un ciel ouvert. Tu obéis au serviteur de Dieu, reçois un ciel ouvert. Dieu parle par les anges, Dieu parle par ses serviteurs, les messagers, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Dieu parle par eux. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu lui obéis au travers de ces personnes, ton ciel s'ouvre. Qui a dit le plus grand amen de ce matin? Alléluia. Ton obéissance a cette capacité. Your obedience has Jésus this capacity. Est monté au ciel. Jesus was going up to heaven. Lui qui n'a pas vu comme une proie à arracher de se comparer à Dieu. And he did not choose to compare himself with God. Il s'est humilié. God, he humbled himself. La Bible dit jusqu'à l'obéissance and de la, the obedience de to la the croix. Cross. C'est-à-dire, il sait ce qu'il attend. He knows what is awaiting him. On dit va faire telle chose. Go et puis and tu do sais that. Ce qu'il attend là-bas. And tu ne serais pas sorti vivant. He will not come alive. J'obéis à la voix du Père. He said, I obey the voice of the Father. Il nous a dit, hein, he told je vous us, envoie. I send you. Comme des brebis like, au milieu des loups. Among donc quand wolves, tu entends ça, tu peux dire when you hear that,
C'est bon, Seigneur, je ne vais plus, je Lord, te suis plus. I won't go you. I won't follow after you. Tu peux m'envoyer? You can send comme me tu me dis, tu m'envoies comme une brebis. Tell me you send me as a sheep. Alors que le loup là, c'est brebis même. Il among the wolves and they like the sheep. Il n'aime pas ces brebis. The loves sheep. Maintenant, tu dis, va là-bas. And so go there. Sachant que tu seras mangé. Knowing that you will be eaten. Et puis tu obéis. And you obey. À cause de son obéissance. For the sake of your obedience. Dieu a décidé seul. God desired that Dieu l'a souverainement dans sa souveraineté. Il l'a élevé. He uplifted him. Au ciel. In heaven. Et l'a mis à sa droite. Il avait and he positioned him on his right. Si tu es un enfant de Dieu obéissant. If you are an obedient son of God. Qui va manger les meilleurs fruits du you pays. Will eat of the best fruit c'est of the à land. Toi que Dieu. God. On dit à Pierre, tu prêches plus l'évangile. And we told, il dit, Peter, quand Jésus partait, c'est said, tout ce qu'il m'a dit de faire. Allez, fais de toutes les nations des disciples, prêcher l'évangile, gagner les âmes à Christ, encadrer-les, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Teach them all that I taught you. Si tu m'enlèves ça, moi, Pierre, je rime à quoi? That, donc, je retourne à la pêche. I will go back to fishing. Et puis, il regarde comme ça, il dit, and look and say, je suis passé à l'école du Seigneur Jésus. I've been to the oh, j'ai marché Jesus. Avec lui. I work with j'ai him. Appris l'obéissance I avec obey, lui. Obey. J'ai vu comment il obéissait au Père. I saw, I obey il God. A vu la croix. He saw the cross. Il dit, s'il était possible, possible que cette croix s'éloigne, qu'elle s'éloigne. Et le Seigneur dit, ça ne s'éloignera pas. Il dit, Père, j'irai quand même. J'irai être pendu sur la and croix. Il dit, il a regardé des gens qui l'ont déjà mis en prison. His, Dieu l'a fait sortir. God on dit, la out. Prochaine fois, on te met en prison, on te tue. Said, il dit, vous-même voyez, said, est-ce qu'il est bon d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Vous ne pouvez tuer que le corps, mais Dieu peut traiter avec l'âme. Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Ce n'est pas pour ne rien que Pierre était plusieurs fois en extase. Il a vu les cieux ouverts. And ton obéissance aujourd'hui même va ouvrir le ciel. Ton obéissance dans ce mois va ouvrir le ciel. Ton obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, va ouvrir cette année avant qu'elle termine le ciel. Tu verras les anges monter, tu verras les anges descendre, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras l'Esprit de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Alléluia! Qui a dit Amen? Dis Seigneur, donne-moi un esprit d'obéissance. Saint-Esprit, apprends-moi à obéir à ta voix. How to obey. Qui a dit Amen? Amen. Donc c'est là que nous terminons this et nous terminons avec peut-être le dernier. With the last verse. Alléluia. Amen. Dis aide-moi Seigneur. Say Lord. Par des dons. We've, on a lu Malachi tout à l'heure. We read Malachi 3. 3. 10 à 12. Ton obéissance, Dieu dit apportez vos dîmes. He said, bring your tithes. Apportez toutes les dîmes. All the tithes. Et les offrandes. Offerings. Il y a des bénédictions qui sont en particulier puis attachées à quelque chose. Some blessing attached et tout ce qui est attaché à quelque chose, le diable touche à ça pour and garder the ça. Devil will also attack it. Obéis à ton père et ta mère. Obey your father and your mother. Honor your father and your mother. C'est ainsi que tes jours seront prolongés. That you may live le long. Diable met la folie dans le cœur des enfants. And the devil put a foolishness. Les parents se privent. In their, in laisse the, tout. The parents nous deny themselves. Les blancs. They send it to they send the children to the pour Europe. Pour connaître papier de blanc, laissez papier de noir. Alléluia. Amen. Et puis you and go and fool over there. You go and Patrick, tu es sûr que tu es là? I follow. Et tu vas te comporter mal and là-bas. And you go and misbehave. Papa parle, tu veux le taper. Your daddy speak, you want to eat him. C'est-à-dire ton diplôme là sera dans ta main. Your diploma will be in your hand. Tu vas your jamais degree, avoir travail. You will never get a job. Maman parle. Your mother is speaking. Hey, maman, on parle pas comme ça, moi. You know, talk, don't c'est talk parce to me que like tu pas laissé à Ouragayo pour que tu parles français des choses ici. We didn't leave you at Ouragayo for you not to speak in that French. Et le diable touche ça pour gâter parce que and the devil is using là. That to spoil Frère, our children. Fais tous les sports que tu veux. Do all the sports you want. Mange toutes les crudités que tu veux. Eat all the mange les herbes. Even eat the herbs. Si tu n'honores pas ton père, ta if mère, you don't honor your father, your mother. Un démon va serrer ton cou la nuit. And the devil will choke personne ne saura ce qui s'est passé. Nobody qui te will happen. Plus. You won't wake up.
Est-ce que tu comprends? You see what I mean. Honore ton père et ta mère. Le honor your father and your mother. Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes pour que la maison de Dieu avance. And he said bring all the tithes so that the house de of God may move. The devil will bring things in your mind. Là, c'est vrai. And he said well. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit à gauche ou bien à droite. It's written on si left. Si c'est à droite, right, c'est que Jésus a prouvé. Mais si c'est à gauche, est-ce que Dieu est dedans? But if it is on the left, God is not inside. La maison de Dieu, Dieu t'a sauvé. God save you. You are in the house of Dieu God. T'a béni. God bless you. Tu préfères prendre ton argent? You better take your money. Pour faire quoi? Dis-moi. To do what? Tell me. Plutôt que de venir être reconnaissant instead à ce of Dieu, showing gratefulness for his work, puisse avancer. To proceed for his man servant travail, and to do the job. For souls. Puisse être suivi, encadré. And to be followed and supervised. Pour que le règne de Dieu continue. And for the kingdom of God to continue. Si 10 out of 10 10 chocolat. You have 10 chocolates. Je t'ai donné 10. I gave you 10. Tu es venu sur la tête, tu connaissais rien, tu you n'as didn't rien. Know anything. J'ai mis tout en toi, tiens 10. I put everything and say, okay, 10. Tu as le 10? Ok, s'il te plaît, donne-moi un. Give me one. Pourquoi toi-même tu n'as pas enlevé dedans avant de me donner? Why don't you remove before giving to me? C'est parce que nos enfants font avec nous. That's what our children do with us. Tu achètes biscuits, il y a 24 biscuits. You buy a tu pack of, un. L'enfant of dit 24 non. Biscuits and the child, give me one, he said no. C'est pas tu as pitié de te dire non, tu as un enfant, sinon toi je paye plus de biscuits. I will no more buy biscuits for you. Un, il veut pas. Give me one, quand he said no. Quand l'enfant est un peu gentil. When a child is nice. C'est que dans sa main, il casse comme ça. Et puis dit. He'll break it and give it to you. Il a oublié que c'est toi qui as pris ton argent. He forgot that pour acheter ça pour lui. You use your money to purchase that for him. Ma fille m'a fait un jour quelque chose. And my daughter did quand something elle m'a refusé, to me. J'ai pris, je vous dis pas laquelle. Après, elle a déposé, c'est dans le frigo. She dropped in the fridge. Mais j'ai pris, prends un, on va pas savoir, j'ai pris trois ou quatre. I took three or four. Elle a vu le trou. She saw the hole. Mais l'enfant l'a pleuré chez moi. She began to cry. Le lendemain, je suis allé acheter un nouveau biscuit. I purchased a new one. Mais si moi j'achète biscuit encore pour toi. If I buy again for you, you will see. C'est comme ça, c'est un fond avec Dieu. So this et puis is Dieu how some of us behave with, towards God. Ça veut dire que ce sont des choses. And même God si la Bible n'en avait pas parlé, even if the Bible does speak, pour you ton know, Dieu, for your God. Regardez ce que les gens du monde font pour le diable. Look at what the people in the world do for the devil. Tu es étonné que Dieu n'ouvre pas le ciel. And you are amazed that God. Et puis on termine heaven. Avec ça. Malachi 3. Malachi chapter 3. Commence au verset 8, tu vas voir ce que ça dit. Malachi. Ceux qui lisent, ils ont beaucoup de Bibles, portables, tout ça. Allons-y. Malachi 3. Oui. Verset 8. Oui. Un homme trompe-t-il son Dieu? Un homme fait quoi? Trompe-t-il son Dieu? Ok. And the man rob God. Attends, va finir, tu vas lire après. Ok. Car vous me trompez. Ah bon? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ok. Dans les dîmes et les offrandes. Ok. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez de moi de l'eau. Pardon. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez désormais vous verrez le ciel ouvert. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. And will a man rob God? You have robbed me, but you say, wherewith have we robbed you? And in tithes and offerings, you are cursed with a curse, for you have robbed me. Even this old nation, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing, and there shall be no room enough terminons. To receive it. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Qui a dit le plus grand amen? May God bless the reading of Dieu the word. Dit, God said, apportez toutes les dîmes. Bring all the tithes. De vos entrées.
C'est comme ça que mon royaume va fonctionner. And then my kingdom will operate. Regardez un pays comme les États-Unis. Look at the USA. Regardez les pays européens. Or European countries. Nous tous, nous avons envie de quitter l'Afrique ici. We want to leave, depart Africa to go there. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui paient des taxes. C'est Some des patriotes. People pay taxes. Ils disent pas dans la bouche qu'ils sont patriotes. They don't say that they are patriotes. Mais c'est dans les sacs qu'ils sont patriotes. But in with their doings. Mais nous disons dans la bouche que nous sommes des enfants de Dieu. We say we are children of God. On ne peut pas honorer notre Dieu. We don't want to on honor trompe God. Notre Dieu. We, on envoie toutes sortes d'arguments. Deceive God. Et on veut que notre Dieu ouvre son bon trésor. And you want him to open his good treasure for que us. Dieu nous aide. May God help us. L'amen va venir à la fin, c'est pas grave. So the amen que Dieu nous aide. May God help us. Alléluia. Amen. Les taxes, the tout taxes, ce que tu payes. All that you pay. Moi je suis étonné, en fait, j'achète une, deux, trois choses. I buy a couple of things. Je connais le prix. I know the price. En dollars. On finit de taper. When they finish le prix in dollar, the price increase. Mon argent n'est pas beaucoup, faut que je regarde ou bien. I have to look. I have to watch. Madame, the price has changed. I said the price has changed. This is taxes. Donc, elle dit, non, ça c'est les taxes qui sont ajoutées. Ce sont les taxes. Les impôts. Donc, voilà. C'est ça, on va prendre faire les routes. Tu vas quitter en Afrique, tu vas venir rouler dessus. On va prendre faire les gratis. So this is what we use to asphalt the roads and you come from Africa et to drive on it. Honnêtement. And people en Afrique, honestly. Vous voyez comment nous on fait, non? You see what we do on in fait Africa avec la DGI. With the tax administration. Et puis on est étonné, notre pays n'est pas and de we ça n'avance pas. We are amazed that our country quand is not ça, developed. L'État the government qui est souverain se lève contre toi. Which is sovereign. Quand c'est comme ça, Dieu God qui est souverain, who is sovereign se lève contre toi parce qu'il te donne un ordre, rises pas. Against you because you won't obey his command. Et tu veux que lui and you want from quand him, tu fais ta prière, when you pray your tes prayer, désirs deviennent des ordres. You want your desire to become orders to God. Alléluia. It doesn't ça work that pas way. Comme ça. It et si work. Vous apportez, maintenant vous me mettez à l'épreuve. If you bring all your tithes, therefore test me. Alléluia. Amen. Et vous verrez. And you will see. Si je ne veux pas ouvrir le ciel. If I will not open the windows est-ce qu'on a besoin of heaven. Aller voir l'école pour comprendre ça? Do you need to go Dieu to school to understand? Dire, God is saying. Si vous apportez toutes les dîmes. If you bring all the tithes. Dans ma maison. Into my house. Que vous ne me trompez pas. And you do not rob me. Vous me. Ne me volez pas. And you don't deceive me. Vous allez voir. You will see. Si je ne veux pas ouvrir wherever le ciel. I will not open quand the vous en aurez windows. Besoin. In your time je vais ouvrir of les écluses. I will open windows. Vous avez besoin seulement de fenêtres. You need windows pour recevoir la gloire. To receive the glory et les bénédictions. And blessing. Quand nous échouons là, when we fail à obéir à Dieu, être fidèle à Dieu, obeying ça, God, we fail to obey God. Ça nous rattrape. It will catch us up. Parce que le jour que Dieu veut prendre, because the il peut day, faire en gros. The day of reckoning, God celui qui décide, will il peut faire en demi gros. He will recover it all. He doesn't want to do it in detail. He doesn't do it in et retail. Et puis demande mais là même je n'ai rien fait de mal. He said, I haven't done anything wrong. Ma vie même, je prie maintenant, je jeûne, je fais ci. I fast, I do this. À cette heure là, c'est ce jour là, Dieu a décidé de envoyer l'ange temps pour venir prendre ce qu'il doit prendre. And at that time, he called okay. The. Comme tu veux pas donner à ma maison. Angelic collection officer. Il peut mettre quelqu'un sur ta rue, va t'escroquer, va prendre tout. He may il y a pas send someone to. To swindle you. And you call the person, the phone number is no longer there. Tu n'as pas donné à Dieu. You didn't give to God. Tu n'as pas donné à quelqu'un. You didn't give to anybody. Dieu prend un jour. God will pay the day of reckoning is one day. Mais si tu veux voir ton ciel ouvert, but if you want to see open si heaven, tu veux garder ton ciel ouvert, or you want to maintain amen. Open heaven, je termine avec le témoignage de ces personnes. I would like to qui a entendu parler de Corneille dans la Bible? Have you heard of Cornelius in the Bible? Cornelius. Comment il a été révélé? How was he revealed? Par sa libéralité. By the gift of giving. Dieu lui a parlé, le ciel a ouvert. God talked to him and heaven et opened. Dieu dit, and God said, tes aumônes. Your arms, ton offrande, your offerings, ta libéralité, your gift of tes giving, dons, your gifts, aux pauvres, to the poor, dans ma maison, in my house, toutes ces choses sont montées comme un parfum all de bonne odeur. These are donc j'ai décidé, like dans ma souveraineté, so d'ouvrir le ciel open et de te visiter. To visit et Dieu a envoyé des gens prier pour lui. And God sent people Dieu to pray il a reçu le Saint-Esprit. And you received la the Holy plus Ghost, grande bénédiction de Dieu. The greatest alléluia. Blessing of God. Dieu l'a béni God bless him au-delà beyond
Je veux dire à quelqu'un, la libéralité ouvre les cieux. Qui a dit Amen? Les dons volontaires dans la maison de Dieu ou bien aux pauvres ouvrent les cieux. Qui a dit Amen? L'obéissance à la parole de Dieu. Pour ne pas que la maison de Dieu soit mendiante. Dieu t'a béni. Tu es assis là. Tu ne veux rien donner à la maison de Dieu. Sous prétexte que tu ne comprends pas certaines choses, Dieu n'a qu'à t'expliquer les choses. Sous prétexte que tu ne dois pas donner. Mais comme Dieu sait trouver les moyens toujours pour faire avancer son œuvre, il fait avancer. Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu perds. Et Dieu m'a envoyé te dire, il y a certaines personnes, c'est à cause de leur désobéissance que leur ciel est fermé. Il y a d'autres personnes, c'est à cause de leur impudicité. Because of fornication, l'adultère, or adultery, c'est trop. It's too much. C'est pas un. It's not c'est one. Pas deux. Or two. Ils sont arrivés à un stade, on peut plus compter. You can no more count. It's countless. Dieu est fâché. God is angry. Il a ouvert le ciel. I will open heaven. Et puis tu as devenu un enfant de Dieu prostitué. And you are going to be a prostitute. Jamais. Child of God. No. Parce que le ciel c'est la bénédiction. Because heaven c'est is la providence. Is c'est l'abondance. Provision. Tu ne peux pas prendre ça pour aller faire des bêtises. Je ferme. You cannot take it to do nonsense. Alléluia. Amen. Corneille a été visité. Cornelius il a vu son ciel ouvert. Dorcas, qui aimait, who used to qui love, donnait aux pauvres, to give to the qui poor, donnait aux démunis dans l'église, to the under qui soutenait l'œuvre de Dieu. Was supporting the word of quand God. Elle est morte, when she died, les gens l'ont réclamé. People ses came, œuvres ont parlé pour elle. Works même for à sa mort, even Dieu a ouvert les cieux. Il a donné heaven, une nouvelle vie. Une seule prière. Elle est ressuscitée. Elle est revenue à la vie. Elle a continué sa mission. She came back to life. Le ciel ouvert dans tes dons, dans give, ta fidélité à Dieu, en donnant giving, ton offrande, ta dîme, your tithe, dans la libéralité, offering, ouvre le ciel et apporte la résurrection de tes affaires et de ta vie. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. L'exemple de David. David et puis example. Je termine là. L'exemple de David. David, example. David a dit, David said, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui God ne me coûte pas. J'étais dans la brousse. Il m'a sorti bush de là. Il m'a fait roi. Combien moi seul je peux manger à la fois? Je donnerai God le meilleur à Dieu. Le meilleur veau. Le meilleur agneau. Les meilleures bêtes. Les meilleures choses. Pour construire la maison de Dieu. Il a pris les meilleurs matériaux. Alléluia. Tout ce qu'il faut en or. Le meilleur bois. Lisez dans la Bible. Le meilleur fer. Tout ce qui était bon. Avant de commencer à construire. Tout était déjà là. All the building material mais was il a fermé la porte à cause d'une partie, il a versé trop de sang. But his, the door was closed because Dieu he dit, tu vas me construire la maison. Too much blood. Mais ce n'est pas toi, mais ton fils. He said, your son, not le you. Fils n'avait plus grand chose à faire. Tout était là. Everything was there. Tout était là. Did not have to make alléluia. A move. Amen. David avait un ciel ouvert. David had open et même heaven, dans sa faiblesse, even in his il n'avait jamais perdu de combat. He never tu peux garder fight ton ciel ouvert si tu sais apporter à Dieu. Tu ne perdras jamais quand tu seras attaqué. Quand tu seras combattu, tu remporteras la victoire. Qui a dit Amen? Alléluia. Il dit, je ne donnerai pas un animal boiteux, borgne, ce qui est mauvais, ce qui n'a pas de valeur à Dieu. Je garderai ça pour moi et je donnerai le meilleur à Dieu. Dieu a gardé le ciel ouvert sur sa vie. Ses ennemis étaient toujours dans la confusion. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Salomon, son fils. Solomon, his son. Salomon, son fils. Solomon, his son. A fait quoi? What did he do? Salomon, son fils. Solomon, his était son. A suivi les traces de son père. He followed after the steps of his le father. Le ciel ne s'ouvrait pas. Heaven was pas saison pour se fermer après. And to close. Et il s'ouvre encore un peu. Or et il se ferme. Non. Time to time. Il apportait dans la maison de Dieu. He used to bring into abondamment. The house, plenty. Il donnait. He used to give. Dieu lui donnait. God gave him. Il donnait. He used to give quand back. Dieu a dit à David, when God vous bâtissez David, vos maisons, you vous tombez dans des house, maisons luxueuses. You live in the luxe et la tente houses, d'assignation existe encore. And, l'âge de l'éternel encore sous la base. David dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Nous changeons les choses. We are going to change things. Il a fait quoi? Lisez dans 1 Chronique. First Chronicles, le jour de la consécration. On the day la Bible dit, Salomon a consacré la maison de l'éternel. He devoted the house of God. Des offrandes qu'on ne peut pas compter. With countless après offerings. Avoir consacré la maison de l'éternel, maintenant il a consacré la maison he brought it to du the roi. House of the il king. A fait sa maison après.
And he did Parce after, qu'il a honoré Dieu. Because he honored Dieu God. A gardé le ciel ouvert sur Salomon. Lisez la Bible. Le seul roi dans tout Israël. The only king Israel. Il n'a jamais eu à faire he la guerre. Ses ennemis étaient endormis sous un ciel ouvert. And, ses ennemis étaient émerveillés. At peace with him. Parce que Dieu faisait and avec lui. Par son intelligence. Par sa sagesse. Par son administration. Par sa manière de faire. Au lieu de le combattre, il venait voir pour apprendre. Un peu. Au lieu de le combattre, ils donnaient leur fille cadeau. They used to give the daughter quand free. Tu donnes ta fille, when you give your daughter, tu attends quoi? La dot. Mais ils viennent avec leur fille, ils viennent avec des chars, ils viennent des cargos. Il y a de l'or, gold, il y a de l'argent, silver, il y a des huiles. Oil. A, parce que son ciel était ouvert. Je te montre comment tu peux garder ton ciel. This is how que Dieu te bénisse. You can keep sa grâce abonde sur ta vie. Heaven. Que Dieu change ta vie change your life en ouvrant le ciel sur ta vie. Que Dieu t'amène à marcher selon son principe. Suis ses principes. Follow tu verras la gloire de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur God. Plus que cela. Pendant que tu acclames le Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Pendant que begin tu acclames pray, le Seigneur. To pray. Alléluia. Prions le Seigneur. Les broches. Les katalababababababa. Ekora bada brosi kandelele dede shababa baba. Je vais t'entendre prier. Holy anaramos. Lève les mains vers le ciel et dis avec moi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh. Quand je l'entends, oui, je comprends maintenant les choses spirituelles. Qu'il a payé, pour ma liberté. Si je me tais, oui, si je me tais, oh, j'apprendrai. Apprends à écouter la voix du Seigneur. La voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je l'entends, je comprends les choses spirituelles. Oh, ma vie change et mon ciel s'ouvre. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre, je t'entends. Coule en moi, que le caractère de Christ coule en moi. Au nom de Jésus, coule, 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 oui, coule, 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 comme un torrent. Alléluia, lève tes mains. Dis Seigneur, ensemble, dis Seigneur, apprends-moi à marcher selon ta parole. Apprends-moi à marcher sur tes pas afin de voir ta gloire. Donne-moi de suivre tes principes afin que le ciel soit ouvert. Donne-moi un cœur droit. Un cœur qui recherche la justice. Donne-moi de marcher dans la sanctification. Donne-moi de ne pas plaire aux hommes et de te plaire. Donne-moi un cœur obéissant. Un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité. Donne-moi un esprit humble.